pourquoi cette action contre les chrétiens dans une situation dans laquelle le conflit est politique? Il y a des musulmans qui sont tués, mais les deux groupes musulmans font une lutte pour le pouvoir, pour gouverner, alors que les chrétiens sont des gens pacifiques. Ils ne cherchent pas à former un État chrétien. Donc, ils sont persécutés par ce chrétien. Et peut-être il y a un plan pour vider le Moyen-Orient de chrétiens. Et ça, c'est une grande perte. Donc, il faut quand même une action très forte pour prêter cela et voir les raisons qui financent ces djihadistes. D'où ont cet argent-là et ces armes-là? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Nous sommes tristes de voir l'Occident en général indifférent envers nos souffrances. Et ça vraiment nous choque beaucoup. La position où les Français qui ont fait des marches, des condamnations, cela nous maintient dans la confiance et aussi l'espoir. Et nous donne beaucoup de courage. Donc ce qu'il faut, c'est une solidarité envers les chrétiens, mais tous ces gens-là qui sont persécutés, chrétiens ou pas. Ça suffit de guerre, ça suffit de morts, de familles réfugiées un peu partout dans la région. La région du Moyen-Orient brûle.